Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va s'échauffer ensemble pendant 10 minutes. Donc si vous avez la possibilité de trouver un tapis de gym, faites comme moi. Donc on va être ensemble pendant 10 minutes d'échauffement. Hein. Je ne vais pas couper la vidéo, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre le chrono. Ensuite, on va voir des exercices qui vont être possibles de réaliser simplement sans le poids de corps. Donc on sera assis sur un banc. Vous pouvez très bien accélérer la vidéo jusque là. Sinon, commencez avec moi et on est parti pour 10 minutes d'échauffement.
Bon, on est d'accord que si vous n'avez pas fait l'échauffement sur le tapis, il faut au moins le faire de manière assistée ou en piscine avant, 10 minutes, pour vraiment apporter un maximum d'huile à votre genou, que le cœur tape, que ça envoie un petit peu de l'afflux sanguin, etc. dans tous les systèmes. Sinon, on a des risques de blessures et c'est pas ce qu'on veut dans notre situation. Donc, important, toujours 10 minutes d'échauffement en marche arrière de manière adaptée. Il y a d'autres vidéos qui vous proposent cet exercice adapté. Donc ici, on enchaîne avec des relevés tibiales, donc déchargés du poids de corps. On va voir dans d'autres vidéos que vous pouvez très bien même charger dans cette position-là. N'hésitez pas à vous référer aux autres vidéos pour ça. Pour l'instant, vous commencez directement jambes tendues. On garde la contraction des quadriceps tout le long. Donc à chaque fois, on va venir faire 25 répétitions du même mouvement. Donc ça va être difficile hein, sur la fin des répétitions. Bien sûr, ce nombre de répétitions est indicatif. C'est-à-dire que quand vous avez une douleur, surtout, on ne va pas continuer à travailler dessus. On s'arrête avant. Quand on sent que ça commence à chauffer, ce n'est pas la peine de continuer. Je parle de cette sensation quand on a l'impression que ça se passe à l'intérieur du genou. Si c'est au niveau musculaire, on va aller chercher 3 répétitions difficiles pour challenger le corps et progresser. Donc à chaque fois, par exemple ici, qu'on vient travailler, on vient chercher la contraction maximale et on maintient 2 secondes cette contraction. Donc ici, on passe à l'exercice de travail de flexion de genou. Donc on a tous une amplitude à récupérer souvent en cas de rééducation ou de réathlétisation. Donc on va venir travailler ça. Donc pareil, on maintient 2 secondes la flexion, donc toujours dans la non-douleur. On ramène talon-fesse. On fait quelques répétitions et on change de jambe. On peut comparer d'ailleurs avec l'autre jambe. On commence toujours par la jambe la plus faible et on termine par celle-ci. Un autre exercice ici, je viens planter mon talon dans le sol. J'ai la jambe complètement tendue et je viens travailler mes ischios donc en isométrique. Donc c'est l'arrière de la cuisse qui va venir se contracter. Donc je plante fort le talon dans le sol et je relâche. Je viens chercher la contraction sur 5 secondes minimum. Je relâche, je recommence et je change de jambe. Ok, ici, je viens travailler les fessiers, hyper important, hein. On vient travailler tout ce qui est muscle autour de la hanche pour pouvoir bien protéger notre genou. Donc là, je viens simplement ramener mes deux pieds l'un contre l'autre et je viens réaliser une ouverture. Alors, je mets mes mains pour vous montrer qu'on peut soi-même créer une résistance et donc avoir un mouvement qui est un petit peu plus difficile en fonction de la pression qu'on va mettre vers l'intérieur, nous, pour contrer le mouvement. On peut très bien également mettre les mains à l'intérieur quand on vient travailler cette fois-ci les adducteurs, comme ici. On
Donc là, on est vraiment dans les premières phases de sollicitation musculaire, décharger du poids de corps. Ça peut nous permettre de passer à l'étape suivante si on a trop de douleur. On peut commencer par ces exercices. Cette séance est idéale quand on est en cas d'arthrose ou de chondropathie, où on a encore une inflammation qui nous empêche de travailler debout au poids de corps. Donc ici, je viens faire pointe de pied, talon, pointe de pied, talon. Donc je viens travailler les mollets et le tibial antérieur. Toujours dans un principe de progression, je peux rapprocher les jambes pour faire cet exercice, pour le rendre un petit peu plus difficile ou simplement en fonction de mon amplitude non douloureuse. Là, je vais venir travailler les fléchisseurs de hanches au sol, donc un maximum de relevé de jambes, on va dire sur 60 secondes. Allez, je te souhaite une bonne séance et je te dis à la semaine pro dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao, porte-toi bien.